Berlin a accueilli le week-end dernier la troisième édition de Football for Friendship, un forum organisé dans le but de promouvoir le football et certaines valeurs auprès des jeunes du monde entier. Cette année, 24 équipes nationales, contre 8 et 16 pour les éditions précédentes, ont participé à ce tournoi. Et pour la première fois, deux formations venues d'Asie étaient conviées, la Chine et le Japon. Alors, comment cet événement peut-il encore se développer au cours des prochaines années? C'est la question que nous avons posée à Vyacheslav Krupenkov. Je ne peux pas dire quelles sont les limites, mais on voudrait attirer davantage de nouveaux pays. Et comme la Russie va organiser la prochaine Coupe du Monde en 2018, on aimerait, c'est un de nos rêves, avoir des participants de toutes les équipes qui seront qualifiées pour la Coupe du Monde. Tradition, fair play, amitié, égalité, voilà quelques-unes des valeurs promues par ce forum. Mais ce message adressé aux enfants n'a-t-il pas été pollué par les scandales qui ébranlent la FIFA ? C'est difficile en ce moment. Le football fait la une des journaux pour de mauvaises raisons. J'espère qu'on va renverser la situation très rapidement. J'espère qu'on va régler ce problème et que ce genre de choses ne se reproduira plus. Je suis certain qu'on va trouver une solution parce qu'aujourd'hui, le football est dans un état lamentable. Les 308 enfants venus jouer au ballon dans la capitale allemande ont eu la chance de rencontrer quelques joueurs des grands clubs européens, comme le milieu défensif du Zénith Saint-Pétersbourg, Anatoly Timochuk, ou l'ailier de Schalke, Julian Draxler. Quand j'étais aussi jeune que ces gamins, j'aurais adoré disputer ce genre de compétition. Je suis sûr qu'ils prennent beaucoup de plaisir et pour moi aussi, c'est très sympa de les voir jouer. C'est au pied de la très symbolique porte de Brandebourg que s'est déroulée la finale de ce tournoi réservé aux 12-14 ans. Le Rapid Vienne a battu Zurich 5-3. Et le gardien suisse était une gardienne, Elvira Herzog, comme quoi Football for Friendship abolit toutes les frontières et toutes les discriminations. Ce n'est pas différent de ce que je connais. Pour moi, cela n'a pas été difficile d'intégrer l'équipe, mais ce n'est peut-être pas aussi simple ailleurs. Ici, c'est sympa et j'espère que je vais jouer encore longtemps avec ces gars. Pour la première fois, un prix a été attribué à un club qui multiplie les initiatives sociales en faveur des enfants et des adolescents. Et c'est le FC Barcelone qui s'est vu attribuer ce trophée. Reste à savoir ce que les jeunes retiennent de cette expérience unique. L'Autrichien Chris Senner, désigné meilleur joueur de la finale, a trouvé la formule pour résumer tout cela. Good, good. Excellent.